dirais, a donné envie à Pierre Michaud de... Ça, c'est historique de situation. Ça a été le cinéma, le polar, qui a quand même grandement animé la librairie jusqu'au début. Vous avez quand même lancé de la bande dessinée. Dans l'édition, oui, on l'a fait quelques fois. J'ai écrit un bouquin, là. Ouais. Elle me dit, ouais, j'écris un bouquin. Quel genre? Oh, c'est science-fiction avec fantasy, porno, et polar. Comment ça va aussi? Parce qu'il me semble que cette série-là était déjà un gros succès chez nos amis anglais, oui. À l'époque où, justement, la Talente a racheté les trois des premiers volumes. Comment ça s'est passé, cette aventure, justement de... Je crois que la Talente... à publier les Pratchett parce que les autres éditeurs... Non, mais c'est on est venus, c'est comme pour Pierre Bordage, hein, enfin... Oui, non. Et Alvin, ils ne se croyaient pas non plus, d'ailleurs. À la Talente, alors on en a deux ici. Mais ça ne fait pas de traduction. Ben oui, c'est un éditeur qui plante ça fait à peu près... les bons jours, je fais 3 pages par jour. Mais c'est à mi-temps, hein, encore une fois. Parce qu'on a conscience de ses droits, de sa valeur, on n'entend pas qu'on parle avec son ego. Quand on vient juste négocier quelque chose qui est normal, qui est, excusez-moi, j'ai créé ça, très bien, très bonne école pour ça, parce que ça donne des auteurs conscients de leur écriture. Je suis allé donc faire photocopier tout ça, j'ai fait mettre une spire derrière, des feuilles de plastique. J'ai fait ça un peu en enfant sauvage. C'est quand même un peu du mot-gli d'être antidépendant. Si on ne sait pas que les verbes, on ne fait pas de répétition, si on ne sait pas que les verbes de terme, il faut éviter, si on ne sait pas que finalement, il faut varier les formes de phrases, si on ne sait pas, ben, ça s'écrit très vite. Bah oui, il y a Leur vaisseau a comme objectif de créer des routes galactiques. Pour quelqu'un maintenant, ça semblerait de la magie de créer des... juste vous dire que Guy Gabriel Kay, dont nous avions publié, et ainsi que d'autres éditeurs en France, fin des années 90, début des années 2000, un certain nombre de livres, pour ce qui est de la Talente, il y avait la chanson d'Arbonne, les lions Tigane, les lions d'Alrin. On a un format, deux ans près, mais un format unique, qui est assez petit, est en cartouche, c'est-à-dire que vous avez une image entourée de blanc sur l'ensemble de la composition en cartouche, qui avait été en fait adoptée par Pierre Michaud.